Donc très belle finale en 77 kilos avec Elohim Trèfle de la Snake Team contre Thomas Dacher du Strong Fight Team. Alors avant de parler de cette finale, on a Elohim qui subit une clé sur sa demi-finale. Et je le vois dans le vestiaire, c'est vrai, très très abîmé. Bon, faut savoir que Elohim, il n'a pas que le genou touché, il l'avait là de par le combat qu'il avait fait en demi-finale, mais là, il avait aussi la main bien abîmée de son dernier combat du fer, donc c'était le mois dernier aussi, donc pas rétabli, donc voilà, c'est quand même un vrai guerrier. On a eu Cyril qui a fait confiance à son combattant. Ils ont pris des risques, je pense, tous les deux. Du coup, Elohim Trèfle, donc, qui se hisse en finale et fait une vraie guerre avec Thomas Dacher, qui est un spécialiste de la lutte, hein, avec de belles projections. Alors, pas trop d'accord avec les juges cette fois-ci, mais une décision unanime. Moi, j'aurais plutôt vu une décision partagée pour Thomas Dacher. Mais encore une fois, un combat de fou furieux. Elohim qui est sur une jambe et un bras, a fait soulever la foule derrière lui, parce qu'il y avait toute la technique qui était là. Non, c'est passé à pas grand chose. Donc moi, j'aimerais le féliciter parce qu'il a fait un super combat. Il n'était pas obligé de monter ce soir. Et j'en profite aussi, surtout, pour remercier Thomas Dacher de la très belle prestation qu'il a pu montrer ce soir. Et mettre en avant son club aussi. Donc bravo à ces deux combattants.